Salam alaikum, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma bateau, dans ma balle ouverture de courrier. Aujourd'hui c'est un échange reçu de Kalinette et Tan, c'est le pseudo, leur pseudo Instagram. Nous allons ouvrir tout ça ensemble. Enfin je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé ce que c'était, mais on va regarder tout ça ensemble. Alors, c'était un échange d'ATC, voilà, sur le thème des lutins, qui a été fait en novembre 2018 et c'est la 2 sur 3. Donc je vous la remonte bien, voilà, avec un ruban de Noël, du papier de chez Action, de petites demi-perles rouges et... un joli embellissement en bois. Voilà, magnifique. Et un joli petit tamponnage de lutin. Et très 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 joli. Ensuite, elle m'a écrit son petit mot sur une jolie découpe de raton laveur. Voilà, qui est comme ça. Très très joli, j'aime beaucoup. Bon, je vous lis pas, je ne vous lis pas le mot parce que ça regarde que moi. De temps en temps, ça m'arrive de vous le lire parce que c'est pas vraiment un truc personnel. Mais là, j'ai pas envie de vous le lire aujourd'hui, donc je vais garder le petit mot pour moi. Donc voilà, il est trop beau, n'empêche, ce raton laveur là. Cette découpe, elle est magnifique. Et ensuite, elle m'a mis des découpes, voilà, sur du papier fin, comme ça, pailleté, en couleur rose gold. J'ai deux petits... je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est des petits... deux petits pingouins. Bon, c'est pas les mêmes, mais c'est quand même des pingouins. Ils sont très, 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 très beaux. Très pailleté comme j'aime et en couleur rose gold. Voilà, c'est très joli. Ensuite, elle m'a mis un joli petit cerf comme ça. J'en ai reçu un comme ça, mais c'est pas le même. Il me semble pas que ce soit le même. Donc, je suis contente parce que je reçois beaucoup de découpes. Enfin, voilà, dès que je reçois quelque chose des copinettes, des échanges, elles me mettent beaucoup. Beaucoup de découpes et ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est des découpes que j'ai pas et que forcément je ne risquerai pas d'avoir parce que je n'ai pas commandé. Et là vous voyez, il y a un petit oiseau qui est qui est posé sur la corne. J'aime beaucoup recevoir des découpes parce que forcément je n'ai pas forcément de Big Shot ou de machine de découpe à couper. Je disais que je n'ai pas forcément de Big Shot ou de machine de découpe style Big Shot ou autre. Et j'ai des dies et tout, mais il faut encore que j'achète la Big Shot. Mais je compte acheter la Big Shot de chez 6X, mais il me manque un peu d'argent pour l'acheter. J'ai déjà mis un peu de côté. Voilà, donc du coup, j'ai ce cerf-là. J'ai une découpe pain d'épices qui est très jolie aussi pour faire une carte sur le thème de Noël aussi, ça serait sympathique. Voilà, bon après pour l'instant j'ai pas beaucoup de papier de ce style là, j'ai que du cartoc rouge et vert, donc les couleurs traditionnelles. Mais je veux dire, voilà, j'ai rien pour le décorer ou quoi. Donc, du coup, je n'en fais pas beaucoup des créations sur le thème de Noël. Parce que j'ai pas forcément les bons papiers. Donc, du coup, voilà. Et elle m'a mis une jolie découpe, mais qui est extrêmement fine aussi.
avec des hiboux. Voilà, je le, là, vous la montrer comme ceci, qui est très très jolie. Voilà. Mais voilà, après, il faut trouver le papier en concordance avec ça, que je pourrais marier avec cette couleur-là. Et voilà. Cette découpe est vraiment très 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 belle. Donc, je remercie beaucoup Calinette de m'avoir envoyé son ATC, sa jolie petite carte et de jolies petites découpes qui sont très 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 mignonnes, surtout les petits pingouins et les hiboux. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos et de partager ma chaîne. À bientôt, salam alaikum.